Salut, ici Rafi Informatique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment créer votre propre article de blog. Donc pour cela, vous allez ouvrir votre navigateur, moi ici Edge, et vous allez taper expertinformatique.fr, le blog que j'ai créé. Vous allez vous rendre dans mes articles, créer votre propre compte, pardon. Donc, vous vous inscrivez, je ne vais pas le faire ici. Bon, si, je vais le faire ici pour vous montrer. Bon, test 87, prénom test 87, compte éditeur test 87, @gmail.com et le mot de passe, je mets n'importe quoi. Voilà, ici, et je m'inscris. Donc maintenant que vous vous êtes inscrit, vous pouvez modifier votre photo de profil en cliquant sur ce bouton. Enfin, vous pouvez aussi modifier votre nom d'utilisateur, nom, prénom et un email. Mais ici, ça ne nous intéresse pas. Vous allez vous rendre donc, pardon, donc création. Vous allez cliquer sur créer mon article. En fait, vous pouvez accéder à cette page directement en cliquant sur mes articles. Puis créer mon article, c'est exactement la même chose. Donc là, vous choisissez un titre et le contenu de votre article que vous souhaitez publier sur mon site. Et je vais vous mettre le lien de la page qui explique toutes les conditions nécessaires pour que votre article soit publié. Donc vous devez bien regarder cette page avant de le publier parce que sinon, il sera refusé. Voilà, ça c'est fait. Et puis, vous pourrez suivre l'état de d'avancement de votre enfin l'état de validation de votre article. On va l'appeler test pour vous montrer. Et vous pourrez suivre, voilà, l'état de traitement et le visualiser dans mes articles. Donc vous retournez dans mes articles et là vous voyez qu'il y a écrit en cours de vérification. Quand il y aura écrit validé, ben ça veut dire que, ou en cours de publication, ça veut dire que votre article va être publié dans les prochaines dans les prochains jours, prochaines heures sur mon site. Vous avez également les paramètres où pour l'instant il n'y a pas grand-chose, hein, mais mon site est en cours de développement. Il y aura également un forum qui va sortir, ben, je ne sais pas quand, mais c'est un projet en cours de développement. Il y aura un forum, donc vous pourrez tous aller sur mon forum pour poser toutes vos questions et on y répondra le plus vite possible. C'est un gros projet que j'ai en tête et j'ai déjà réussi à faire ceci, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que vous voyez déjà, enfin c'est ce qu'il y a déjà sur mon site. Et je vous mets le lien directement de la page pour les conditions de publication de l'article à l'écran. Voilà, je viens de le sortir, il est là. Publier un article invité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à publier votre article sur mon site, c'est gratuit. Et ça vous aide à vous propulser et ça m'aide à me propulser dans la communauté informatique et dans le grand monde de l'informatique. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous aurez créé votre compte et que votre article se retrouvera sur mon site. Merci.